comment, je vous explique. Hier, j'ai renversé de l'ananas. J'ai un jus d'ananas qui a explosé dans ma voiture. Ça veut dire que ma voiture était imbibée de jus d'ananas et ça puait de ouf. Ça sentait l'alcool, genre une odeur bizarre. Bref. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire partir ça? L'odeur était imprégnée. J'ai fait nettoyer ma voiture par Pressing Car Wash. Dinguerie. Ma voiture, elle est comme neuve. Genre, on dirait vraiment qu'elle sort du concessionnaire, je vous jure. Et moi, j'ai deux chiens. Ça veut dire que normalement, il y a plein de poils incrustés de partout qui volent et tout. Il n'y a plus rien. Genre, ma voiture, elle n'a jamais été aussi bien nettoyée. C'est pas un nettoyage de 15 minutes, 20 minutes, hein. C'est genre une heure et demie, deux heures de vrai nettoyage, le fond en comble, je sais pas comment on dit. Et bref, je suis trop contente, vraiment, je vais vous montrer, elle est nickel. Regardez-moi ces jantes, elle est nickel. Ma gossure, elle est toute propre. Attendez, je vous montre l'intérieur. Oh, là, j'abuse sur les jantes. Mais regardez, un poil, s'il vous plaît. Et je vous montre du coup où est-ce que d'habitude j'ai tous les poils. Genre ici, normalement, il y a des milliers de poils incrustés qui ne partent pas. Genre là-dedans, il y a plein de poils. Et là, genre on dirait que j'ai pas de chien. Genre, à part les laisses que vous voyez là. Mais sinon, on dirait pas que j'ai des chiens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est trop bien fait. Alors là, je vous assure que j'ai plus du tout envie que mon chien monte dans cette voiture. Attendez, j'aime pas ce filtre, j'ai pas les yeux comme ça. Et voilà, donc c'est à 9 rue des Artisans à Ville-la-Grand. Et voilà, Pressing Car Wash, vraiment, je vais aller que là-bas. Je suis refaite d'avoir trouvé cette adresse, vraiment.